Koya chai me ao tao nane, andai koya chai me ao tao nane. Le cambo, aussi appelé vaccin de la grenouille, est amplement répandu et utilisé parmi les communautés indigènes d'Amazonie. Le cambo est obtenu en capturant la grenouille géante, Philomedus bicolore ou rainette singe, et en grattant la sécrétion de sa peau. Son venin contient près de 200 molécules actives, dont la dermorphine, substance 300 fois plus puissante que la morphine. Ce venin très puissant sécrété par la grenouille aurait des vertus désintoxicantes, nettoyantes, purifiantes et stimulantes du système immunitaire. Cette pratique utilisée par les Indiens d'Amazonie depuis très longtemps permet de traiter diverses pathologies qui affectent principalement le système immunitaire. Non seulement, le cambo médicinal soigne de nombreuses maladies, mais la sueur de cette grenouille verte fluorescente a aussi la vertu d'élever le niveau énergétique tout en nettoyant en profondeur le corps physique et astral. Le cambo serait aussi efficace pour lutter contre les addictions. En plus de nettoyer considérablement l'organisme, le cambo nettoie également les toxines et les métaux lourds du corps. Les réactions les plus communes sont des malaises, des nausées et des vomissements. En raison de sa toxicité élevée, la grenouille n'a pas à se soucier des prédateurs, elle est donc assez facile à attraper. Une fois le poison extrait, la grenouille est relâchée dans la nature. Le cambo est séché et mélangé à un peu de salive ou d'eau, ce qui lui donnera un aspect gélatineux. En général, une brûlure est faite sur le bras avec un morceau de bois pour introduire le venin. Il peut ensuite être appliqué sur la peau par petites touches. La sécrétion de la grenouille est appliquée en couches sous-cutanées à l'aide d'un couteau. L'effet commence environ 30 secondes après l'application et dure entre 30 à 45 minutes. La prise du cambo est un moment assez difficile, avec parfois l'impression de mourir puis de renaître. Au moment d'appliquer le venin sur la peau, une sensation de brûlure se fait ressentir, puis on ressent le poison monter à la tête très rapidement et avec puissance. Très vite, on a aussi la tête qui gonfle telle une grenouille, le cœur qui palpite, on a très chaud, des sueurs abondantes, des tremblements et surtout beaucoup de vomissements. Avant et pendant le rituel, plus de 4 litres d'eau sont bues. Une fois la séance terminée, une super sensation de bien-être et d'apaisement se fait ressentir, avec un esprit léger et apaisé. Entre sudation, tremblement, nausée, crampes, vomissements, gonflement prononcé au niveau du visage et une augmentation de la température corporelle, vous l'aurez deviné, prendre du cambo n'est pas une partie de plaisir, mais les effets sont si bénéfiques que ce moment désagréable se fait vite oublier par la suite. Le cambo peut être aussi utilisé pendant d'autres rituels chamaniques, comme en complément d'une cérémonie d'ayahuasca, par exemple. Ainsi, les effets de la cérémonie seront plus puissants. Malgré le grand inconfort physique ressenti, il s'agit en ce qui me concerne une des expériences les plus enrichissantes à tester au moins une fois dans sa vie. Le corps et l'esprit sont purifiés par ce nettoyage fait en profondeur.